Les erreurs petites. Et on va retrouver celui qui avait terminé la deuxième place l'année passée ici, Benjamin. Sur les podiums, son frère aîné, et bien il faudra s'habituer maintenant à voir le meilleur jeune, Kevin Petit. On verra tout à l'heure. Alors, Kevin, on va aussi appeler juste pour le fun, parce qu'il mérite quand même, madame, mademoiselle, monsieur, une ovation toute particulière. 1/100 d'écart sépare le 3e du 4e. David Guillaumard, qui est un des animateurs du championnat de France. David était en tête jusqu'à... Voilà, David, si tu es là, juste pour la photo, parce que ça mérite une petite photo, je vois que ça bouge. Voilà. Voilà, 1/100 d'écart entre les deux, vos applaudissements quand même. Ils se sont arrachés, les garçons. A tout à l'heure, on vous retrouve tout à l'heure les garçons pour la suite des trophées. Allez, on remonte. Allez, on passe, si vous voulez bien, la classe DE8. Et on le gardera après nous, bien évidemment. Kevin Petit. Avec ses partenaires. Petit, tu restes là, je pense qu'on va attraper dans peu de temps. Et en... Tu restes là. On va faire le podium tout de suite. Là, on va faire le podium. On est chaud. On va passer au groupe F2000. Vous restez là, messieurs. You stay, eat. You understand? Just a little. Damien Coste, le podium de la série A. Le podium de la série A maintenant sur la troisième marche. Et on l'a dit longuement sur la troisième marche. Il est monté sur cette troisième marche. Je meurs. Mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, Kevin. J'en suis pas sûr, je vérifie ma fiche. Mesdames, mesdames, messieurs, Kevin Petit. Je vais demander à tous les critères de remettre le trophée, le partenaire numéro 1 de la ZAL Alsace. Moi j'ai tout, mais je dis rien. Troisième. Ah, il est bien le champagne d'ici. Avec les Caps de Turckheim, bien sûr, qui parrainent Caps de Turckheim, partenaire sur la troisième. Benjamin Vielmi, une nouvelle fois second de l'épreuve. Benjamin Vielmi. Rien à voir là, c'est plus sur le rêve.
Et je vous demande une attention toute particulière, un championnat imposant, une épreuve dont la notoriété n'est plus à faire. Madame, mademoiselle, monsieur, the winner is Patrick Zajelsny. Je vais demander à l'extraordinaire. Mais il est où pour aller? Ah oui, Je vais demander à l'extraordinaire président de l'ASA Alsace, bonjour la pommade, d'en faire la traduction pour son ami, son complice, parce que je vous expliquais, ils ont passé beaucoup de temps ensemble hier soir lors d'un repas très light, et peut-être que ceci explique cela. Alors, il y a un super trophée offert par l'association des commerçants, c'est ça Olivier, hein? Bravo, le président de la salle des commerçants, regardez-moi ce trophée comme il est chouette. Alors, Franck, je vais te demander bien sûr, puisque vous êtes complices tous les deux, sur un plan sportif, cela ne nous regarde pas, sur un plan amical peut-être, mais de faire la traduction et peut-être d'interroger toi qui es doté d'une voix remarquable. Arrête de me frotter le dos comme ça, s'il te plaît. Veux-tu interroger ton ami Patrick, s'il te plaît? Ah, qu'est-ce que tu veux que je pose? Eh ben, quel a été ce meilleur moment? À quel moment il a... La question qu'on pose, c'est habituellement, c'est à quel moment il a compris qu'il avait gagné? Non, tu musst antworten. Wann hast du verstanden, dass du gewonnen hast? Am Ende habe ich verstanden. Alors que tout le monde a compris à la fin. Was willst du sagen, Patrick? Ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Veranstaltung. Es war super organisiert, die Strecke war perfekt. Mit dem neuen Asphalt war wunderschön zu fahren und es war top organisiert. Bis nächstes Jahr. L'organisation, tout s'est bien passé et il a dit que le revêtement c'était vraiment top. Donc le message sera transmis. Et surtout. Presque de Deutsch qualité. Deutsch qualité. Et il nous donne rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Bien, bien. Bravo. Comment ça donc? Eh Benji, t'as galéré toute la saison, là il faut que tu causes. Non mais l'organisation est vraiment sympa comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de venir rouler ici, ça a bien marché. C'est la première fois de l'année, donc c'est sympa, ça fait plaisir avec toutes les équipes. Bravo. Ça veut dire qu'on est en Alsace. Bravo. Kevin, je fais le boulot du speaker, hein, parce que toi je peux le déduire du salaire, hein, je te le dis. Hein. Eh ben, déjà merci au Team Max Motorsport, à toute ma famille et mes amis, puisque c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu faire ce premier podium scratch. Bravo à l'organisation, aux bénévoles, c'était vraiment super tout le week-end. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Je vais sûrement devoir ouvrir une bouteille pour la première fois de ma vie, donc je vous garantis pas le résultat. Mais voilà, merci à tous ceux qui ont contribué à ce premier podium scratch et à l'année prochaine. Merci messieurs. Champagne. Je laisse... Clément, allez. Là, sous le chapiteau, ça va peut-être être un peu difficile. Ou alors essayez avec les bidons d'huile, peut-être que ça... Allez, flash öffnen, bitte. Ça, j'étais sûr qu'il puissait pas Let's get so. Ça méritait ça parce que c'est la première fois qu'un pilote étranger s'impose ici. Merci pour l'info, Jean-Jacques. Merci. Ah,
merci. Allez, on va passer maintenant au podium.